Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Propriété de l'ail pour la sinusite. Il existe différents remèdes naturels qui aident à combattre la sinusite, mais l'ail est considéré comme l'un des plus efficaces. L'ail, également connu scientifiquement sous le nom d'Allium sativum L, appartient à la famille des Liliacées et est utilisé dans la gastronomie pour son goût prononcé. Cependant, ses différents ingrédients actifs, notamment la lysine et la joanne, en font un remède puissant contre la sinusite en raison de ses propriétés suivantes. Propriétés antibactériennes et antiseptiques, grâce à ses principes actifs, l'ail est considéré comme un puissant antibiotique naturel, il peut donc lutter contre la fièvre et les malaises causés par une sinusite. Dans le même temps, il combat les infections bactériennes à l'origine de cette affection nasale telles que la grippe ou le rhume. Propriétés expectorantes, il possède également des propriétés expectorantes qui soulagent d'autres symptômes apparaissant parallèlement à ce problème, tels que la congestion nasale, la toux et la douleur dans d'autres domaines tels que les yeux ou la mâchoire. Propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, grâce à sa richesse en huiles essentielles et en principes tels que la lysine, ce légume possède d'excellentes propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, il peut donc également réduire les douleurs aiguës caractéristiques que la personne souffre à l'avant comme à la tête. Comme dans les sinus quand vous souffrez de cette maladie. Renforce le système immunitaire. Enfin, son contenu en allicine et en vitamine du groupe B confère à l'ail des propriétés qui favorisent notre système immunitaire. Grâce à ces nutriments, ce remède naturel augmente la production de globules blancs dans notre corps, il aide donc à augmenter nos défenses et, par conséquent, à prévenir différentes infections. Comment guérir la sinusite avec l'ail? Remède très efficace. Grâce à la section précédente, nous savons déjà quelles sont les propriétés de l'ail qui nous aideront à traiter ce problème nasal. L'un des remèdes les plus populaires utilisant ce légume pour lutter contre la sinusite est de préparer un bain de vapeur à l'ail. Pour ce faire, il vous suffit de suivre l'étape suivante. Ingrédients. 4 gousses d'ail. 1,5 litre d'eau. 1 serviette. Préparation et traitement. La première étape consiste à ajouter dans une casserole 1,5 litre d'eau et de le chauffer jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. Lorsque l'eau atteint son point d'ébullition, ajoutez 4 gousses d'ail épluchées dans la même casserole et laissez-les cuire pendant environ 5 à 10 minutes à feu doux. Une fois le temps indiqué écoulé, éteignez le feu et penchez-vous vers l'eau en mettant une serviette sur la tête. Veillez à ne pas vous brûler avec le pot. Lorsque vous êtes dans cette position, commencez à inhaler la vapeur d'ail, puis expirez-la. Répétez cet exercice pendant 5 minutes. Pour constater des résultats avec ce remède naturel, vous devrez répéter tout le processus au moins 2 fois par jour, une fois le matin et une fois avant d'aller vous coucher. Autre recette à l'ail pour lutter contre la sinusite. En plus du bain de vapeur utilisant ce légume, il existe d'autres recettes à base d'ail qui peuvent réduire les symptômes de la sinusite. Parmi eux on trouve infusion d'ail et de curcuma, cette plante possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires en raison de sa richesse en composés épicés. Pour préparer l'infusion, mélangez dans une tasse d'eau bien bouillie 1 gousse d'ail avec une demi-cuillère à soupe de curcuma et laissez reposer quelques minutes. Puis filtrez le verre et prenez-le. Vous voudrez peut-être aussi savoir comment préparer une infusion d'ail. Sirop au miel et à l'ail. Ce produit naturel se distingue par ses excellentes propriétés antibactériennes, idéales pour les sinusites. Écrasez 3 gousses d'ail dans un mortier, puis mélangez-le avec 2 cuillères à soupe de miel. Consommez le mélange quotidiennement avant chaque repas. Préparation à l'ail et au vinaigre de cidre, cet assaisonnement se caractérise par ses propriétés antiseptiques, idéales pour soulager la congestion nasale. Faites bouillir 2 tasses d'eau. Puis mélangez 4 gousses d'ail écrasées avec une cuillère à soupe de vinaigre. Puis laissez les ingrédients reposer pendant 30 minutes. Enfin, retirez l'ail et prenez une cuillère à soupe par jour de ce mélange. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids,
des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Avec votre nom, et pays. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse, prenez soin de vous.